Nous avons des adhérents chez lesquels on collecte le lait toutes les 72 heures, qui ensuite sont acheminés via des citernes de lait dans des tanks réfrigérés à 4 degrés. Nous avons un contrôle qui est le test antibiotique afin de voir s'il y a présence ou absence d'antibiotiques dans le lait. Composé d'une ligne de conditionnement qui fait du biformat, bouteille biformat, donc bouteille litre et bouteille demi-litre, à une cadence de 16 000 cols par heure, qui est divisée en différents secteurs, partie extrusion, partie conditionnement sur emballage et une partie logistique. Ce qu'on appelle un CCP, donc une testeuse de bouteille en direct, donc sur ligne, donc on contrôle 100% de nos bouteilles, et c'est une testeuse de bouteille qui va permettre de contrôler l'étanchéité de la bouteille. Si la bouteille est conforme, elle continue son chemin sur la ligne de production. Si c'est non conforme, cette bouteille est éjectée. Ces bouteilles vont être contrôlées via une caméra. Donc ces caméras vont permettre de voir s'il y a des défauts au niveau des culs de bouteille. Donc nous tirons le lait du tank pasteurisé qui a été préparé en amont. Donc ce lait va passer par un homogénéisateur qui va permettre d'éclater les globules gras afin d'éviter la remontée de matière grasse. Ensuite, ce produit va être stérilisé à 143 degrés pendant 4 secondes avant d'arriver dans la conditionneuse aseptique. Donc il y a une dépose bouchon qui se fait. Ensuite, des étiquettes se mettent sur chaque bouteille. En fonction des commandes, nous devons respecter un packaging, donc soit du par 6, du par 8, donc ces bouteilles sont regroupées en par 6 ou en par 8, avant d'être acheminées ensuite vers le palletiseur. Donc tout simplement, on palletise, ensuite on housse, et ensuite on identifie cette palette pour la traçabilité. Un Caris Production va arriver, va flasher cette palette afin d'être identifiée. Cette palette sera ensuite stockée dans des racks. Avant chargement, nous effectuons un dernier contrôle qui est le sniffage. Nous allons faire ce contrôle sur chaque palette avant de charger le camion.